Loin d'une campagne électorale, à l'origine de cette mobilisation, les actes de générosité posés par l'élu de la 8e circonscription électorale. Il s'agit de modules de classe à Kenoukpanou, Boukoussera, Tchatchoukartier et une maison des jeunes en construction à Goro. L'homme vient apprécier le niveau d'évolution des travaux, et ceci à la grande joie des bénéficiaires. Le peuple vous sera reconnaissant. Honorable député, l'honorable Baramassi, c'est le concret. L'honorable Baramassi, c'est le pragmatique. L'honorable Baramassi, c'est la proximité avec le peuple. Votre sens d'engagement et de développement dans votre circonscription électorale en général et pour les lieux d'instruction et d'éducation de la cour juvénile, notamment les écoles maternelles, les écoles primaires publiques et les CEG en particulier, n'est plus à démontrer ni à comparer. La reconnaissance des populations motive l'élu du peuple à poursuivre ses actes qui visent à corriger l'injustice sociale. J'ai pris l'engagement d'être honnête avec le peuple souverain qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Je suis venu ici non seulement pour visiter le chantier, m'enquérir, voir ce qui a été réalisé et voir ce qui reste à faire. Donc, si prêt à Dieu, nous allons inaugurer ça. L'équipe de football, c'est en marche. Et de la joie à venir encore, je vais encore renouveler vos équipements. À travers cette descente, Rachid Baramassi ne souhaite pas voir s'installer des éléphants blancs dans sa circonscription électorale durant son mandat.